Alors la question, comment être éligible justement, est-ce que ça veut dire que on a a priori l'idée d'un business qui ne rassurerait aucune banque, auquel cas on vient ici, mais j'imagine que ça ne suffit pas. Oui, alors après, ça dépend des stades de développement des entreprises. Donc la plupart du temps, le capital risque, il y a, je dirais, deux stades. Il y a un stade qui est avant qu'on ait ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire qu'on a sorti un produit ou un service qui correspond à un marché, on a trouvé son marché en fait. Et donc on peut démontrer qu'on a trouvé son marché avec des chiffres, avec un usage récurrent de clients, avec une traction, une croissance qui montre que non seulement on a trouvé des clients, mais en plus on a trouvé la manière de le vendre, la manière d'accéder à son marché. Et donc ça, souvent, quand on a ces deux choses-là, c'est-à-dire un produit qui correspond à un marché qui soit suffisamment grand et dont on puisse démontrer à la fois la satisfaction des clients et la taille du marché, et aussi le fait de savoir comment parler à ce marché-là, comment y accéder, comment vendre. À ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle un Series A, donc c'est du capital risque standard. Et il faut effectivement, c'est des fonds comme nous qu'il faut aller voir. Mais il y a aussi, dans le capital risque, une partie qui est très amorçage, qui est avant qu'on trouve ça. Et donc, pour revenir aux critères, c'est-à-dire qu'on n'a pas démontré qu'il y avait bien un produit qui correspondait à un marché, etc. Donc, dans les critères d'investissement, ce qui va se jouer dans ce qu'on appelle le capital risque Series A, donc une fois qu'on a trouvé son marché, c'est justement beaucoup de chiffres ou de data qui nous permettent de quantifier, de nous faire une opinion sur oui, quelle est la taille de ce marché-là, oui, est-ce qu'il y a vraiment une proposition de valeur différenciante sur ce marché-là, et oui, est-ce que les gens ont bien trouvé la manière d'aborder ce marché-là et qu'ils ont des atouts pour eux gagner le marché par rapport à la concurrence. Et il y a aussi une grande dimension qui est toujours présente, mais qui est d'autant plus présente que nous n'avons pas ces chiffres-là, qui est la dimension humaine. Et donc, comme c'est une aventure humaine, en fait, à laquelle on va participer, eh bien, finalement, il faut se faire une opinion sur le fait que c'est bien cette équipe-là qui va arriver à craquer ce projet-là et que nous, en tant qu'investisseurs, on pense qu'on va pouvoir apporter à cette équipe-là pour arriver à faire en sorte que le projet ait plus de chances de réussir. Alors, vous accompagnez des entreprises dans leur croissance. En tant que fonds d'investissement, il n'y a pas que Daphni qui investit, c'est aussi des investisseurs que vous représentez. Ça veut dire qu'il y a aussi une sélection des investisseurs avec qui vous travaillez ou... Alors, il y a deux dimensions, effectivement. C'est un écosystème qui est assez coopétitif, dans le sens où il y a d'autres fonds d'investissement sur la place de Paris qui souvent peuvent venir en complément d'un tour de table ou après sur le tour d'après. Si on finance l'amorçage, par exemple, eh bien, peut-être que ça va être un autre fonds de capital risque qui va prendre le lead et nous, on va continuer à financer, à compléter le financement, etc. Donc, c'est une chaîne qui fait qu'on est dans un écosystème qui n'est pas compétitif, mais coopétitif, parce que des fois, on est en concurrence avec d'autres fonds pour un tour donné, mais peut-être que le tour d'après, on les fera rentrer ou peut-être qu'on arrivera à travailler ensemble, etc. Et il y a aussi au sein de Daphni une dimension très communautaire. Qui est l'une des caractéristiques du fonds, qui est qu'on a développé autour du fonds une communauté de gens et d'investisseurs à qui on peut proposer aussi de co-investir avec nous sur des dossiers qu'on finance. Ça veut dire que vous avez dans votre environnement ce terme qu'on utilise moins aujourd'hui, qu'on a beaucoup utilisé dans les années 2000, que sont les business angels. Oui, on a beaucoup de business angels dans notre environnement, mais même pour les tours plus tardifs, plus matures dans les sociétés, des investisseurs corporate ou institutionnels qui pourraient avoir envie de co-investir à côté. Alors, je vous ai aussi entendu dire, ce que je trouve tout à fait appréciable, le fait qu'investir, il y a évidemment une question de rentabilité, mais ce n'est pas que ça, et vous ne l'envisagez pas justement que de cette manière-là, et que vous considérez que c'est aussi agir sur le monde. C'est-à-dire que les entreprises que vous choisissez d'accompagner, ça peut être aussi sur des choix évidemment éthiques, par exemple. En fait, c'est absolument, et pour moi, la profitabilité est une conséquence de ça. C'est-à-dire que, à titre personnel, quand je fais une décision d'investissement, on peut accompagner en tant qu'investisseur à peu près 7 ou 8 entreprises
qu'on a financés de manière proche. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement une décision d'investissement à un moment donné, c'est un accompagnement qu'on fait. Et cet accompagnement est long terme. C'est-à-dire que, typiquement, quand on regarde la société Criteo dont je parlais tout à l'heure, moi j'ai eu la chance d'investir au tout démarrage de l'entreprise et de l'accompagner jusqu'à son introduction en bourse. Et donc, j'ai investi en 2006, l'introduction en bourse a eu lieu en 2013 et je suis restée au conseil d'administration de la société jusqu'en 2016. Et donc, ça fait 10 ans, quoi. Et 10 ans. C'est une très belle opportunité. Oui, mais de manière générale, on est sur ce type de cycle de temps que quand on investit, on va accompagner les sociétés entre 5 et 10 ans, quoi. Et du coup, la décision qu'on prend, c'est vraiment une décision où on se dit, est-ce que moi, au-delà de l'argent même, je vais passer du temps avec ces gens-là à construire cette mission-là dans les 7 prochaines années de ma vie. Et pour arriver à ce type de décision, il faut que le projet soit suffisamment transformatif, justement, de la société, pour se dire, bah, parmi les 7 ou 8 entreprises que je vais accompagner, oui, ça, c'est un enjeu tel qu'il va transformer la société, qu'il va créer un monde dans lequel j'ai envie que mes enfants vivent, dans lequel moi, j'ai envie de vivre dans 10, 20 ans. Et l'argent, finalement, c'est du pouvoir qu'on donne à certains projets et certains entrepreneurs d'arriver à optimiser les chances de succès, quoi. Et donc, on façonne un peu le monde dans lequel on a envie de vivre, puisque finalement, on donne plus de chances à telle ou telle opportunité et on s'implique dans telle ou telle opportunité plus. Et pour moi, le fait d'avoir ce niveau d'ambition-là dans le choix des entreprises qu'on finance, eh bien, c'est ça qui va faire qu'on va gagner de l'argent. Parce que si on est à ce niveau-là de volonté de se dire, les entreprises que je finance, il faut qu'elles puissent vraiment transformer en profondeur la société et la rendre meilleure, eh bien, ça implique deux choses. Un, c'est que le niveau d'ambition, il est colossal, parce que pour avoir un impact sur la société, en fait, il faut quand même voir extrêmement grand. Et deuxièmement, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que quand il y a ce type de mission, d'éthique, de volonté, eh bien, il y a beaucoup plus de résilience chez les entrepreneurs et il y a beaucoup plus d'envie chez les salariés également, parce que ça fédère. Ça donne plus de force. Et l'entrepreneuriat, c'est tellement dur que d'avoir ce sens supplémentaire, ce supplément d'âme, en fait, eh bien, ça fait prendre plus de risques. Et ça, quand on investit en se disant « je vais gagner de l'argent », finalement, on a peur d'en perdre parce que c'est la seule dimension qui compte. Et donc, on ne prend pas assez de risques, on ne va pas se donner vraiment les moyens qui permettent d'aller jusqu'au bout de l'essai, quoi, d'essayer de faire vivre cette mission-là. Des fois, ça ne marche pas. Mais en tout cas, il y a ce supplément d'âme qui permet d'aller jusque-là. Sachant que votre accompagnement ne se borne pas à l'aspect purement économique, vous êtes aussi susceptible de fournir des services ou des talents comme community manager ou pour le branding ou le design ou des choses comme ça. Oui, alors l'accompagnement dépend vraiment des entrepreneurs et des structures aussi. Donc chacun se différencie un peu comme ça. Nous, chez Daphni, notre accompagnement est très sur le fait d'avoir cette communauté de gens autour du fonds, finalement un réseau qui est très multiple, qui à la fois est international, mais aussi mélange des entrepreneurs, mais des execs dans des grands groupes, des créatifs, des académiques, et de le mettre à disposition aussi de nos entrepreneurs et de créer les outils et la plateforme pour le faire. Et puis, effectivement, d'animer avec des événements et d'animer avec des rencontres et du média, au travers de ce transfert d'informations, d'expériences, d'expertise, de contacts, notre communauté d'entrepreneurs. Alors, les rencontres étant essentielles, j'ai même entendu parler parfois de parrainage, de parrains, ou aux entreprises, parfois, vous proposez des gens qui vont les accompagner pour leur expérience. Oui, c'est vraiment la mise à disposition de cette communauté, ce qui peut, soit ça veut dire qu'il y a des gens qui vont tellement s'impliquer qu'ils vont devenir administrateurs indépendants des sociétés dans lesquelles nous on a investi, soit vont les accompagner sur un bout de chemin, soit vont les mentorer. Donc c'est soit juste vont donner un conseil ou vont mettre en contact avec des gens qui peuvent être utiles. Mais on essaye de voir de quel doit être le bon positionnement d'accompagnement. Et certains entrepreneurs ont très envie de cette proximité-là, d'autres en demandent moins, mais il faut respecter ça, quoi.
Alors, on arrive au terme de cet échange. Je pose toujours une question que je qualifie de secrète. C'est notre façon de formater nos entretiens, mais elle est évidemment bienveillante. Et là, vous pouvez regarder les caméras vous adressant à notre public, hein, qui est fait de jeunes et moins jeunes, de gens qui initient des choses ou qui se réorientent. Si vous aviez aujourd'hui un conseil, alors à qui vous voulez, bon, il est clair ici que je pense plutôt aux jeunes sortants d'école qui ont une idée, qui voudraient s'associer, monter une entreprise. Quel serait le conseil essentiel ou le message que vous voudriez faire passer à ces jeunes start-upers qui ont des idées, qui arrivent comme ça sur le marché en découvrant ce monde, y compris celui du capital risque? Quel conseil vous avez envie de leur donner? Moi, je pense qu'il faut... C'est extrêmement important de s'aligner. Et donc, en fait, il faut vraiment... Quand on a envie d'agir et de prendre sa liberté d'action, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de choisir sa liberté d'action. Et donc, les sujets sur lesquels on va travailler, ben, il faut prendre des sujets qui comptent vraiment pour nous. Donc, vraiment être en cohérence entre ce qui compte pour nous et ce qu'on fait. Et ça donne beaucoup de force, en fait. Et ça permet d'éviter beaucoup de questionnements. Et cette sincérité, cet alignement est extrêmement puissant. Maïk Land, un grand merci à vous. Merci beaucoup.